Messieurs, je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a trouvé. Ulysse qui? C'est un nouveau? Le héros grec, sombre idiot. Écoutez, voilà mon plan. Nous entrerons dans le fort de Silas, déguisés en soldats. Une fois à l'intérieur, nous libérerons les Indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. Ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. À vos ordres, sœur. Agissons avec précision, et nous les prendrons tous par surprise. Que se passe-t-il? Mes humbles excuses, messieurs. Nous sommes victimes d'un regrettable accident. Arrangez ça, et faites vite. Bien sûr, Milord. Tout de suite. Charles, tu assureras l'avant-garde avec William. Ne laissez personne nous atteindre. Et moi, je fais quoi? Toi et John, vous suivez à distance en gardant un œil sur nos arrières. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. Nous sommes venus t'aider, ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer de problème à la porte du fort. Tout ira bien. Je te le promets. Sais-tu comment Silas est organisé? De combien d'hommes il dispose? En quoi consistent ses défenses? Il doit être très important à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte. Ethan, des ennemis arrivent. Dois-je les attaquer? Non. Laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux. À vos ordres. Tu te méfies de nous. Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance. Tant pis. Où est le lieutenant John? Qu'est-ce que ça signifie? Tous à l'attaque! Ces maudits chiens! Maintenez-les au loin! La pousseuse vient te chercher! Bien entendu. Donnez-moi l'ordre et je les mets en pièces. Un instant. Tous à l'attaque! Allez, viens. La voie est libre! Bonsoir, messieurs. Que venez-vous faire? Livraison pour Silas. Allez-y. Tu vois, je te libère comme promis. Maintenant, j'aimerais pouvoir... Laisse-la. Mais elle va nous trahir! Non, je ne crois pas. Quel est le plan? Libérer les prisonniers sans se faire repérer. Et pour Silas? La mort. Vous serez prêts, faites-nous signe. Se passe la garde. Tu es qui, toi? Thomas Smith, une nouvelle recrue. J'arrive de Londres, débarqué il y a une semaine. Et tu viens en patrouille avec nous? J'obéis à Silas. J'imagine que notre tâche est plutôt simple. On s'assure que tout aille bien et on maintient l'ordre. La marchandise? Si on n'a pas jugé bon de t'en parler, contente-toi de la fermer et d'obéir aux ordres. D'accord. Je dois dire que le temps est beaucoup plus agréable à cette fois. Quand vous serez prêts, faites-nous signe. Ici. regarde. Tu es qui, toi? Thomas Smith, une nouvelle recrue. J'arrive de Londres, débarqué il y a une semaine. Et tu viens en patrouille avec nous? J'obéis à Silas. J'imagine que notre tâche est plutôt simple. On s'assure que tout aille bien et on maintient l'ordre. La marchandise? Si on n'a pas jugé bon de t'en parler, contente-toi de la fermer et d'obéir aux ordres. D'accord, je vais expliquer. Ne le laissez pas s'enfuir. Quand vous serez prêts, faites-nous signe. Quand vous serez prêts, faites-nous signe. Tu es qui, toi? Thomas Smith, une nouvelle recrue. J'arrive de Londres, débarqué il y a une semaine. Et tu viens en patrouille avec nous? J'obéis à Silas. J'imagine que notre tâche est plutôt simple. On s'assure que tout aille bien et on maintient l'ordre. La marchandise? Si on n'a pas jugé bon de t'en parler, contente-toi de la fermer et d'obéir aux ordres. D'accord. Je dois dire que le temps est beaucoup plus agréable à Boston. Mort. Mesdames, l'une de vous ferait bien de me dire ce qui s'est passé. Mais le plus peu, il faut fait ça, va crier en enfer. Les gars, désolé d'arriver si tard. C'est Cutter. Tu connais Cutter? Qui m'a trouvé ce poste, à ton avis? On est comme des frères, lui et moi. J'avais demandé 1 heure de calme, mais je suis réveillé au bout de 10 minutes par cette cacophonie. J'exige qu'on me donne une explication, et faites qu'elle soit bonne. Quoi? Comment est-ce arrivé? On a libéré ma précieuse marchandise? C'est intolérable! J'aurai la tête des responsables, soyez-en sûrs! Mais avant, nettoyez-moi tout ça! Bouclez le fort, tuez ceux qui cherchent à s'enfuir! Je me moque qu'ils soient avec nous ou contre nous! Quiconque approchera de la porte le paiera de sa vie! C'est compris? Benjamin, content de vous avoir parmi nous. Venez m'aider. Qui êtes-vous? Je suis Haytham Kenway. Vous ne me connaissez pas. Je crois que l'individu ici présent vous est familier. Je t'ai fait une promesse, Silas, et je compte la tenir. Ah! Maintenant. Attendre. Le moins longtemps possible, je l'espère. Nous avons libéré les prisonniers Mohawks voilà maintenant plusieurs semaines. J'espérais que leur chef se manifesterait, mais nous n'avons eu droit qu'à son silence. Mes hommes s'impatientent. Ils veulent poursuivre notre œuvre. Et je n'ai rien à leur dire. Seul Lee s'active. Il suit les pistes les plus ténues. Il parcourt les rues de la ville et les forêts voisines, espérant rencontrer l'un de ceux que nous avons sauvés. Cette nuit-là, il y avait une femme. C'est elle qui a conduit les autres à l'abri. Si nous la retrouvons, j'aurai mes réponses. Alors j'attends et j'observe, dans l'espoir que ma vraie mission commence enfin. Pour tous vos transports entre la ville et le sud, y compris Philadelphie et Williamsburg, pensez à faire appel à Tom Harley. Les nouvelles de notre époque dans le Boston Weekly Advertiser d'aujourd'hui. Le sortiment d'aliments secs et autres produits se trouve chez Longman, à côté du quartier. Bonjour, Charles. As-tu retrouvé notre disparue? On raconte qu'elle a causé des troubles, non loin de la ville, dans un bourg appelé Lexington. Eh bien, c'est par là que nous commencerons. Je t'y retrouverai. J'espère que vous ne cherchez pas les ennuis. Qu'est-ce que vous voulez, allez, ne vous laissez pas distancer. Les amis, ne vous heurtez pas. Un instant, monsieur l'opticien, mon père ne sera pas prête avant un long moment. Lui aussi a eu des soucis avec les protecteurs.